Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads take. But when the fighting is stopped and the fallout is settled, you must rebuild. I belong West Virginia. Vault 76, our future begins. Coucou les Bibouxels et re-Bibouxels du stream. J'étais un peu inquiet parce qu'il y avait des coups de feu là pendant la pause, vous l'avez peut-être entendu sur le stream, mais au final rien de très affolant, puisque ça semble pas être sur moi. Donc enjoy hein. On va juste monter tranquillement, on s'arme quand même, hein, au cas où. Et puis on va remonter, ça doit être quelqu'un qui est en train de faire sa quête. Peut-être que c'est Ice. Je sais pas qui c'est. Non, c'est un mec qui est là, avec Randa, ok. On va se barrer nous. Tida. Ce chien est fou. On va tranquillement aller faire les tests physiques pour les têtes brûlées. En fait, ce que je pourrais faire, hein, c'est quitter la partie à chaque fois que je fais une pause et revenir. Le truc, c'est que ça me met pas pile au même endroit déjà. Et ensuite, les écrans de chargement étant quand même assez longs, si on peut éviter ça, c'est c'est mieux. Bon, donc on est parti. On va jusqu'au camp. Enfin, au camp. Au centre des tests physiques. On va couper à travers les magasins si on le peut. Ouais, on le peut. Je trouve que j'ai pas forcément envie là de passer dans l'eau. Mais si, j'y étais pas allé. On est pourtant resté longtemps ici. Mais on n'est pas passé là. Ah, il y a de l'amiante dans les maniques. Donc on en prend une. Le propriétaire. Je connaissais l'homme qui vivait ici, il n'a pas fait longtemps avant qu'on le tue pour cette maison. On lui a tiré dessus depuis les immeubles voisins, ne les laissez pas recommencer. Ok. Ok, ok. Ça avait l'air d'être une église. Il faut aller là-haut. Bah, les bons lags aussi là. Hein. Mais par où on rentre en fait? Charleston Herald. Ok, on rentre par là en fait, tout simplement. Je pensais que c'était lié au truc quand on avait découvert l'extérieur de l'entreprise minière, mais en fait ça va. Suis-je en danger ici? Non, ça a pas l'air. Il y a des coups de feu mais je vois pas d'où ça vient. Ah si, là-haut. Connecter au terminal parce que s'il faut, c'est la quête, c'est de tuer des gens.
matos qui est avec moi. C'est full lag là, qu'est-ce qui se passe? Donc je reprends ce que je disais sur le terminal. Et j'ai pris une holobande là, non? Je crois. Lorsque l'examen commence, vous appuyez sur les boutons dans l'ordre AB puis revenir au début pour valider votre temps BA. Si vous n'êtes pas encore enregistré dans votre examen, rendez-vous à la caserne des pompiers, signalez au capitaine, etc. Okay. Examen physique. L'examen commencera dans 15 secondes. Début de l'examen. Activez le point de contrôle initial. Ah merde. Il faut partir de là-bas. Faut pas gruger. Attendez, mais là ça va être la merde du coup. Qu'est-ce que je peux... Ah! Bon, je sais. Donc c'est parti. Poste de contrôle activé. Attends, c'est par là ou pas? Non, c'est par là, ok. Bah, je suis pas sûr qu'on le fasse du premier coup, du coup. Hein. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ok, j'ai perdu toute logique dans le bordel. What the fuck? Oh mais... Non mais là je peux pas, Bon, ben écoutez... Il m'a défoncé hein. Je pensais que ça allait être juste une petite quête en mode yo. Non, en fait, pas du tout. Du coup, il faut qu'on reparte de pas loin. Il m'a soulevé. J'allais récupérer mon butin, moi. Et là, c'est mort pour la quête, du coup. Je vais juste récupérer mon butin et me barrer. Mais c'est quoi ces monstres, sans déconner? Je vois pas comment je peux faire cette quête s'il y a ces monstres là que je peux pas tuer. Je pense que j'ai pas le level, hein. Ils sont niveau 14, c'est pile mon level. Donc on va attendre de prendre un level de plus. Hein. Attendez, je suis level 14 ou 15 là? Je suis 13, quasiment 14, mais ouais non c'est chaud. Hein. C'est chaud 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 là. On va pas faire ça pour l'instant. Hein.
Au moins j'ai récupéré mon bric-à-brac, c'est déjà ça. Les docteurs, si vous cherchez une assistance médicale, vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis. D'accord. Ouais, on est revenu en fait sur les lieux du bordel. Quoi. Rival, j'en ai deux lettres. Donc le I certainement. Pas ça. Non. Donc c'est pas le I. Ok. Pas grand chose de ouf ici. Ah, quoique, Steam Pack. Ok, bon. Du coup, ouais, non, je pense que là, on va pas pouvoir faire ça pour l'instant. Il va falloir un peu plus d'XP, un peu plus de stuff. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête pour l'instant? Trouver le journal suivant à Wells. Bah écoutez, ça il me semble que c'est pas trop loin. Ouais, on est pas trop. Non, c'est pas ça. C'est où Welsh? Ah, c'est là en fait. Je suis pas sûr que ça soit sur mon level pour l'instant non plus. Je sais pas là. Je sais pas. C'est encore un gros fail. Bah ouais, je sais bien, mais bon. Le manoir est pas trop loin de nous. On va peut-être y aller, hein. Ouais, on va aller vers le manoir. Oh, et merde. J'ai loupé le sol qu'il y avait en dessous. Ils sont quand même grave vénères, hein. Faire ça en 3 minutes, je pense que c'est jouable si tu te fais pas aggro par des monstres comme ça. Parce qu'il m'a juste pété la gueule le truc. Là, c'est un truc apartments. Tellement de lieux à découvrir. Il y a des super mutants là. Et le monstre de Crafton. Attendez, mais j'ai une quête à Crafton moi. C'est où ça? Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ici. Ok. Ils lui mettent des dégâts quand même. Il a l'air d'être omnibulé par les super mutants, j'en profite moi.
voilà, 26 points d'expérience. Et on up là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme perks? Je sais même pas ce que j'ai comme carte là de dispo. Dur en affaires, joyeux campeur, nomade solitaire, on fout. Nomade solitaire, comment je fais pour la virer moi maintenant? Parce que là j'ai vraiment de la merde comme carte. Hein. Je pourrais éventuellement prendre Garé du Dimanche et finir d'améliorer ça. Ouais, on pourrait faire ça. Hein. Parce qu'endurance. Attends, on va regarder ce que je peux prendre en endurance. Les produits Nuka-Cola sont deux fois plus efficaces. Accro au cola, j'avoue que ça c'est un perk qui me correspond plutôt bien. On va pas se. Donc gentil toutou, dose hydro. Boyau plombé, résistance naturelle, ravigoté. Être bien nourri, bien hydraté vous procure plus d'avantages. Ah, ça, ça peut être pas mal aussi. Bon, pas fou pour l'instant, je trouve. Je pourrais prendre un Garé du Dimanche encore. Oui. Ah, je sais pas trop là. Le poids des pistolets diminue de 25%, poids de la nourriture. Attendez, il n'y a pas un truc en force? On va peut-être prendre de la force en fait. Donc la bouffe, bouclier de bric-à-brac. Donc plus on a de bric-à-brac, moins on prend de dégâts. À hauteur de 10 de réduction de dégâts, pas non plus, voilà. Viande mystérieuse. Chance que les steampacks génèrent de la viande comestible. Les radiations élevées augmentent cette chance. What the fuck? Ça c'est OP en vrai. Et celle bénéfique, je trouve ça pas mal, mais pas maintenant en fait. Chaque point de force ajoute 2 de résistance aux dégâts. C'est sur moi qui tire ou pas hein? Ça, ça peut être pas mal. Hein. Parce que j'étais en mode peut-être que je vais prendre genre ferrailleur par exemple. Ou armure équilibrée, armature équilibrée pardon, qui est pas mal. Mais alors ça, c'est pas mal quand même ça. Je sais pas. Après ça, ça peut être pas mal aussi. Parce que c'est vrai que là pour l'instant je ramasse beaucoup de choses et je suis souvent limité par ça. On a quoi? Vous attaquez ignore 25% de l'armure des insectes. D'accord. Voilà. Ouais, après on avait fait le tour. Bon bah écoutez, je pense qu'on va prendre soit barbare, soit ferrailleur. Ou armure équilibrée. En fait, armature équilibrée, ce qui est cool, c'est que ça va permettre de prendre des armures assez lourdes. Genre pillard, armure en acier, des choses comme ça. Et malgré tout, de conserver une bonne mobilité. Et ça, c'est cool. Mais en même temps, là, pour le coup, barbare, en début de partie, ça peut être pas mal. Hein. Tant qu'en... qu'on s'appelle. En endurance, on a pas des trucs de ouf. Je pense que barbare peut être bien. Je sais pas. Les ferrailleurs, en même temps, peut être bien. Même ça, ça peut être bien aussi. Hein. Oh là là, j'hésite. C'est tellement de trucs bien dans la force. Bon, je vais prendre barbare, voilà. Sachant que c'est plus 4 après jusqu'à 80, ouais, c'est quand même pas mal comme perk ça. On n'avait pas suffisamment de points. Ah mais non, je suis à 6 du coup là. Je suis un con. Mon point, je l'ai pris en endurance du coup.
Oh, mais je suis un bolosse. Je suis vraiment un bolosse. C'est la limite du système des perks que je trouve pour le coup quand même assez mal foutu par moment. C'est-à-dire que t'es obligé de te rappeler par quoi t'es entré dans le système des perks. Quoi. Non, c'est bien. C'est en quoi que je l'ai pris? J'avais déjà 3 en charisme, j'avais déjà 4 en intel. Donc ouais, c'est forcément en enduit que je l'ai pris. Ok. Du coup, j'ai faim et soif. Ça ira. Merde, j'ai pas looté mon truc du coup moi. Mais est-ce que je vais vraiment aller le loot? Je l'ai plus mon fusil de chasse du coup moi. Si. Pire perception du game, les super mutants quand même. T'es en marchant tout à l'heure, y a pas de triple hook non plus. Mais en vrai, je saurais pas dire, mais y a moyen qu'ils aient, tu sais, à chaque fois les mêmes. Comment dire? Tu sais, genre tous les robots ont la même chose pour dans tous les endroits, en fonction de toi. Vas-y, je vais descendre. Oh, pas par là, pas par là. Ok, c'est chiant. On va tester notre mitraillette, hein. Le recul de l'arme. Putain, y a pas un endroit où genre on peut passer quand même là parce que... ça consomme cette merde. Le recul de ce truc. Bon ben voilà, il me reste 19 balles. Moi je vais aller loot ça. Enfin, parce que ça peut donner. Des carreaux d'arbalète et une arbalète. Ok, je suis refait. J'ai tellement raison de faire ce move. Par contre, je peux pas l'utiliser pour l'instant. Mais au moins, on saura à quel level il faut être pour l'utiliser. Qu'est-ce qu'il y a, Mino? Oui. C'est juste du bois, les échiquiers. Bon bah visiblement il reste un mec mais je sais pas où il est et lui sait plus où je suis donc on va monter. C'est un plot de Bestada pour s'acheter personne puisse reconstituer un triple hook autre que l'original. Tu penses qu'ils ont fait ça? Genre je suis le seul joueur de tout le monde entier à ne pas pouvoir à pouvoir faire le triple hook.
Ce serait cool, mais je pense pas. Sinon, ils m'auraient invité à la pré-bêta à l'hôtel en Virginie Occidentale. Tu vois ce que je veux dire, c'est que vous m'aimez bien, mais je suis pas sûr que chez Bethesda ce soit le cas à ce point. Il y a des trucs chelous là. Les textures sont mal. Ils ont mal assemblé le mur. Du coup, ça fait bugger un peu tout, j'ai l'impression. Ouais, il y a des liserés de lumière. C'est mal jointé, ça. C'est ni fait ni à faire. Hein. C'est l'appartement. Attends, je vais te dire. Alors, c'est où? C'est. Il n'y a pas de lieu, en fait. Ce que tu peux noter, c'est l'appartement à côté de Charleston. Comme ça, on remontera le bug. Bon, bah, je trouve pas le dernier super mutant. Donc, bah, tant pis pour moi et tant pis pour lui. Voilà, donc l'arbalète. Quel level pour l'utiliser? Une arbalète. Level 15. Ah, bah, très bientôt. Prochain niveau. 55 de dégâts. Par contre, celle-ci, elle tire des boulons. C'est bizarre. Alors, la portée a l'air d'être insane. Je pense que de base, l'arbalète est pas ouf, mais avec une bonne lunette, les carreaux d'arbalète et tout, ça peut être assez ouf. Quand t'as loot en hook et que t'as pas le mode, et quand t'as pas le hook, il te file un mode. Oui, mais le hook, à la limite, tu peux l'acheter assez facilement. Moi, il me propose de l'acheter et d'acheter le mode. Hein. Donc, merci Minou. Merci Cindy. Bon, mais on va poursuivre notre route vers le manoir de Riverside. Mais... enfin... par contre, j'ai pris des dégâts, là, quand même. Hein. Ça a pas l'air d'être trop là, le manoir, en fait. Non, mais genre, j'ai pas touché. Bébé moi ou bébé chien? La centrale. La centrale hydroélectrique alimentait une bonne partie de Charleston. J'ai toujours trouvé ça ironique pour une région minière. Ils étaient à deux doigts de la remettre en marche quand tout le reste est arrivé. Ce serait pas le truc de Poséidon? Oh! Une maquette de Protectron. Ok. Je sais pas du tout ce que je fous là. Hein. Je cherche. Donc là, on est au barrage de Summersville. D'accord. Donc on va le traverser. Ah. Les Calcineus. Non, mes frères. Voilà. Je vais peut-être prendre un steam pack quand même, hein, parce qu'à un moment donné. Et là, ça semble être un refuge de. Je sais pas à qui appartient ce logo. Très honnêtement, là, comme ça, y'a rien qui vient. Donc je ne sais pas. Et il y avait un piège en fait ici, très bien. J'aurais pu vraiment me faire soulever. C'est un piège qui se déclenche d'où là? C'est pas sur le pont, genre? Je vais le prendre juste pour désamorcer. Fusil à double canon, c'est au niveau 15 également. 80 de dégâts. Alors c'est pas un fusil à pompe, mais... quand même, hein. Après c'est 8 kilos. On en trouvera d'autres. On en trouvera forcément d'autres, mais c'est pas dégueu quand même, 80 de dégâts. J'utilise pas du tout ma masse pour l'instant. Je me suis retrouvé sur un patrouille de surveillance en tirant le contrepaille. C'est vraiment le fil de la chair de poule. Ouais. L'eau est presque en vie. Bon, je la lirai après. Hein, parce que là. Mais. J'étais en train de lire. Tu peux pas respecter toi?
Donc le sucre. La note. Ça s'appelait Maudit. Donc je me suis retrouvé dans la patrouille de surveillance en tirant la courte paille. Ça tombe à me filer la chair de poule. C'est vrai que l'eau a presque totalement disparu. Ça change pas le fait qu'on a inondé toute cette ville pour il y a pas longtemps. Cynthia disait toujours que chaque meurtre fait apparaître un fantôme qui te suit. Quelques fantômes, ça ne dérange pas, une dizaine. Mais tant que ça, c'est pas possible. Okay. En fait, je pense que quelqu'un est déjà passé pour déclencher les pièges. Parce que là. On va voir si c'est juste cette petite maison, l'XP de la découverte, mais je pense pas. Non, ça a pas l'air. Ça a vraiment pas l'air. Est-ce que j'ai des trucs à cuisiner quand même? Brochette de lapin mariné, ok. Ah, je peux faire de l'eau bouillie. Et en viande, j'ai plus rien. Ok. Combien de temps il me reste sur mon bonus de sommeil, moi? Je ne l'ai plus. Ok. Bon, on espère ne pas choper de maladie. On va reprendre le bonus rapidement, je bois un coup de coca pour l'instant. Et puis on va aller vers le manoir de Riverside. Vous savez, je vous rappelle, c'est quand on est arrivé dans la ville de l'université Voltec, donc j'ai oublié le nom. On avait tué des ghouls, dont une ghoul qui avait un voile en stuff, enfin un calciné plutôt qu'une ghoul. Et ça nous avait donné cette quête en fait. C'est bon. Et on n'a pas eu de maladie. Bon, après j'ai 3 ou 4 remèdes sur moi, donc. Ça aurait pas été bien grave. Et du coup, direction le manoir. En ramassant du bois au passage, je pense. Mais là, j'avoue que tout à l'heure, sur l'épreuve physique des têtes brûlées, les monstres level 14, j'étais vraiment pas prêt, moi. Comme ça, c'est cool. En plus, on a régène nos PV. Ah bah il est là le manoir. Ok, pas très rassurant au premier abord. Malgré le soleil qui l'illumine. Tourner autour, toi. Ok. Mais en fait, pourri, après, je l'utilise pas. Mais j'ai la flemme. Ça, on peut pas récupérer si. C'est top ce manoir, c'est pas ce délire. Donc on est parti dans le manoir de Riverside. Et puis on va voir un petit peu l'histoire de ce voile. Moi j'imagine le truc genre la mariée fantôme, du coup la mariée calcinée, la mariée ghoul, un truc comme ça. Genre qui s'est enfui suite à un mariage malheureux et qui est devenu une calcinée ou quoi, on va bien voir. Calciné. Ça, je peux pas le déverrouiller.
Cindy était là l'autre jour, elle a dit la même chose. Il n'y a pas eu de bruit de coup là, c'est bizarre. Donc, il reste des adversaires à l'étage encore. Ça a beaucoup trop de recul ce truc. Ok. Heureusement que j'en loot, hein, parce que là... Une boîte de capsules que je n'avais pas vue. 17 capsules, nice. Je sais pas si on a remboursé nos frais de la soirée déjà là. Oh. Attends, mais je suis plus sous. Si, je suis encore sous le faux filet. Je vais en prendre un autre. Hein. Je vais en prendre un autre, puis on retournera à un moment donné tuer des bramines. Hein, parce que c'est pas possible. Hein. Genre. Ça, oui, je pouvais pas déverrouiller. Hop. Des sugar bombs. Non, pas la vodka. Parce que j'aime pas boire. Après, t'as une addiction et tout, c'est chiant. Hop, voilà. Bon, et bien, explorons. Un livre. Ouais, non, on s'en fout. Genre avant cours, je sais pas du tout où tu en es. Bah j'en suis que j'ai voulu faire une quête des têtes brûlées et je me suis fait péter la gueule. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire quelques quêtes annexes pour prendre un peu d'XP, peut-être un peu de stuff et qu'on retentera plus tard. Voilà. Voilà où j'en suis. Sachant qu'il y a un truc là-bas vers l'entrée principale. Je me demande si c'est pas une pièce encore à part avec des trucs dedans. Ça c'est le garage, ok. Là on est où? Là on revient ici. Donc là c'est vers l'entrée principale, c'est ça? Ouais. Bon, on va explorer l'étage. Hein. Ah ouais d'accord, à travers la porte, toujours plus. Ok. Ok. Ça lag un peu sur le live, est-ce normal? Je sais pas. Lucille, qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, non, mais j'ai pris la batte de baseball. En fait, j'avais les mêmes dégâts avec les lames de rasoir ou le fil de fer. Sauf que le fil de fer pesait 300 grammes de moins. Enfin, 300... 0,3 livres de moins. Donc du coup, j'ai dit pour le poids, on va partir là-dessus. En plus, ça fait The Walking Dead, donc c'est cool. Et du coup, KO Gaming, je sais pas. Personne s'en est plaint de lags jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à me dire, les autres, si vous laguez aussi ou pas. Mais a priori, on n'avait pas de problème jusque-là. Après ça vient peut-être de toi aussi, mais j'avoue que là comme ça je sais pas. On va prendre la grenade. Putain, niveau 3 le coffre, ok, très bien. En vrai faut vraiment que je farme les bramines à Flatwoods pour avoir plein de faux filets d'avance parce que j'en ai vraiment pas assez par rapport à tout ce que je ramasse. Il y a encore un étage là-bas. On va explorer là. Quand il y a un calciné que tu le frappes, le jeu ralentit. Ouais, mais c'est bizarre, je sais pas. Les autres s'en sont pas forcément pleins. Donc, je sais pas. Moi, il y aurait le garage. Donc là, ça va vers dehors. Là, c'est une pièce
condamné. Bon, on va continuer à explorer le haut. Il y avait pas un truc là sur la caisse? Non. Oh. Red Dead, en es-tu? Alors très honnêtement, là, je saurais plus dire. Et je t'avoue que là, comme ça, je sais plus. En reprenant le jeu, je me dirais, ah oui, c'est vrai, mais là, tout de suite, je sais plus. Terminal d'études. Calendrier professionnel. Tournage, fête de fin de tournage, Silver Shroud visite du studio. Ok, début de répétition. Ok. C'est qui Madame Shannon Rivers? Dernière. Donc elle jouait dans Silver Shroud apparemment. Vous connaissez la chanson, si vous voulez répondre à l'une de ces lettres, tapez votre réponse, envoyez-moi le band, j'espère que vous allez bien. Merde pour Boston. La maîtresse du mystère est mon héroïne préférée. Vous voulez savoir pourquoi? Tous les garçons veulent être comme Grognac et courir partout en criant gras en tapant sur des choses. Mais la maîtresse est intelligente, rapide et toujours de bonnes idées. Elle arrive toujours à battre les méchants. Je voudrais qu'elle pourrait battre le vieux Grognac poilu avec une main dans le dos. Je sais que vous n'êtes pas vraiment elle, mais je suis sûr que vous l'aimez presque autant que moi. Merci d'être génial à la radio aussi. Gros bisous et au revoir. 7 ans. Ok. Et salut No. J'ai en quelques minutes voir à quoi ressemble le jeu et qui fait tourner toutes les têtes. Et eh ben oui. Il y a des légers frises par moment. Ah ben désolé du coup les bros. Grâce à toi, j'ai eu un survie en dictée. Mais GG à toi, Kao Gaming. Continue comme ça. Madame Rivers, je souhaite attirer votre attention sur un problème relatif à l'œil de rat tel qu'il apparaît dans l'épisode 12 de la saison 7, les truands de Thèbes. De Thèbes. Cet épisode laisse à penser que la maîtresse du mystère possédait pas l'œil lors de sa seconde expédition en Égypte pour vaincre le culte de l'insincère. Vous n'êtes pas sans savoir que lors d'un flashback au cours de l'épisode 141, on voit la maîtresse du mystère porter l'œil lors de la réception au musée qui a dû se dérouler entre la première et la deuxième expédition. Le consensus parmi les fans est qu'elle a obtenu l'œil lors de la première expédition, même si à titre personnel, je pense qu'il s'agirait de l'une des reliques dont elle a hérité de son père, l'archéologue. On pourrait interpréter votre réplique comme signifiant qu'elle ne le possédait pas à l'époque, mais cela semble peu probable puisqu'elle le porte. Une broche similaire sur plusieurs pages au début de l'arc de la peste ensorcelante qui se situe seulement quelques jours plus tard. Étant un admirateur de longue date, je sais que toute l'importance que vous attachez au respect de l'histoire et de la continuité de la maîtresse du mystère, j'espère que vous intimerez aux auteurs de faire plus attention dans le futur. C'était Kent Connolly. Ah, oh, c'est Kent, le pauvre. De même que beaucoup de vos fans, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est, vous jouez à Fallout 4 et vous verrez qui c'est. De même que beaucoup de vos fans, j'étais fortement affligé par les modifications apportées à la tenue du mystère dans le dernier numéro, bien que je comprenne les difficultés qu'il puisse y avoir à combattre pour de vrai dans une robe de soirée longue dans le cadre de feuilletons télévisés à venir. Et peut-être sur le grand écran. La robe longue est un incontournable du costume de la maîtresse du mystère depuis ses premières heures. Je compte organiser une pétition à ce sujet, j'apprécierais que vous apportiez votre soutien à ce projet. Je suis un très grand admirateur de votre travail, j'attends avec impatience votre apparition dans le spectacle Silver Shroud l'année prochaine. Ouais. Donc c'était Kent. Elle dira pas, Kao Gaming. J'ai lu qu'un grand intérêt votre interview dans le numéro du mois de juin de Acting Edge, la façon dont vous approchez incarner le personnage de la maîtresse du mystère a toujours été exemple de reproche. J'espère que vous comprenez que pour beaucoup d'entre nous, le terme de maîtresse possède une connotation sexuelle bien trop chargée dans notre société patriarcale. Au nom des femmes modernes du monde entier, nous espérons que vous accepterez de vous joindre à notre pétition pour changer le nom de votre personnage en sœur du mystère. Bon, la première SJW de Fallout, hein, finalement. Journal personnel. De retour de LA, la saison 8 a été incroyable, l'humeur de la fête de fin était plutôt morose, on sait toujours pas si on sera renouvelé. Hubris porte toute son attention sur la télévision en ce moment et ils accordent de moins en moins d'importance à la radio. Frédéric et Olivia vont bien, Olivia avait tout préparé pour notre expédition camping annuelle à Seneca Works, j'ai dû repousser. La pauvre chérie a eu le cœur brisé, des tests enfreint dans notre tradition avec le spectacle de Silver Shroud qui a pour sa compagne depuis une minute à moins. Ce matin, Frédéric m'a demandé de mettre le voile de mon costume et de descendre au salon des invités. D'accord, donc le fameux voile. Il disait qu'il m'avait préparé une surprise. C'est incroyable, son petit projet va bien au-delà de tout ce que les auteurs n'ont jamais pu imaginer et est capable de tout, pas étonnant que je l'aime autant. Mon agenda des 3 prochains mois est plein à craquer. Il engendre les meilleurs cascadeurs, experts en arts martiaux, entraîneurs militaires et une quantité infinie d'experts pour faire en sorte que je maîtrise à la perfection toutes les techniques dont j'aurai besoin sur scène. Je ne sais pas qui jouera le rôle de Shroud, mais la maîtresse du mystère sera fin prête. J'en sais rien, No, je vous laisse vous démerder dans le chat.
Je pars bientôt pour Boston pour les répétitions et pour le début du tournage. Je n'ai jamais été aussi près de ma vie pour un rôle. Frédéric est à nouveau plongé dans les projets et les tuteurs d'Olivia disent que tout va bien et qu'elle devait passer ses partiels à la main. N'attends pas moins, c'est une fille brillante et elle est promise à un grand destin. Bawowski s'est moqué de moi et m'a fait passer pour une idiote. Après une semaine de répétition générale, il m'a fait venir dans son bureau pour me dire qu'ils avaient pris d'autres arrangements pour le rôle de la maîtresse du mystère. Pas la peine d'être un génie pour comprendre qu'il parlait, il avait une photo de qui il parlait. Il y avait une photo de cette poufiasse au crâne vide, Claire Redel, sur son bureau. Ce qu'il avait prévu depuis le début. Je lui ai expliqué ce que je pensais de lui. Ça fait 26 ans que je suis la voix de maîtresse du mystère. C'est le rôle qui me tient le plus à cœur, le personnage qui est toujours défendu à chaque fois que ces imbéciles du département créatif tentaient de faire passer un triangle amoureux ou un scénario de type demoiselle en détresse. Maintenant, on met à la porte. D'après Vivi, ils sont déjà en train de négocier pour que ce soit Redel qui reprenne la série pour la prochaine saison, qu'ils aillent se faire foutre. Ce qui raccorde, du coup, avec les holobandes que l'on trouve à Ibris Comics dans Fallout 4, celle également que l'on trouve sur le terminal de Ken Connelly et ce que Ken Connelly lui-même peut nous dire dans le fait qu'il comprend vraiment pas pourquoi la maîtresse du ministère est tout d'un coup blonde et qu'il faudrait au moins qu'elle mette une perruque ou qu'elle se teigne les cheveux, etc. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est passé, bien des années avant, pas tout à fait 2 siècles, mais pas loin de 2 siècles avant. Voilà. Donc, niveau lore, c'est cool. Ça permet de raccrocher les wagons. Incroyable à quel point les événements d'une seule journée peuvent bouleverser votre sens des perspectives. Je suis si heureuse d'être à la maison. Frédéric et Olivia sont là, ils sont en sécurité pour ce qui est du reste, chaque chose en son temps. Là, c'était le 23. Ouais, c'était le 23. Donc, la veille, elle se fait enfler par la direction de Bricks Comics, machin. Et le 23, ce sont les bombes et on s'en bat les couilles de tout ça. Je n'arrive pas à m'arrêter de trembler quand le temps s'est enfin gravé. Nous sommes rendus à Charleston pour refaire le plein de provisions. Sur le retour, des hooligans nous ont accostés sur le bord de la route. Frédéric a essayé de les calmer en leur proposant de l'eau fraîche à quelques centaines de dollars. Mais ils se sont contentés de rire. Quand ils ont commencé à toucher Olivia, j'ai perdu le contrôle. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que la vieille vache leur repose la moindre résistance. Mon entraînement a pris le dessus, je n'ai même pas hésité. Moins d'une minute, ils étaient tous étalés par terre, je pense que deux d'entre eux au moins étaient morts. Vénère! Nous avons longuement parlé de l'incident. Je m'attendais à ce qu'Olivia soit aussi terrifiée que moi, mais elle était extatique, comme si je m'étais soudain métamorphisée en véritable héroïne. Elle veut que je l'entraîne. J'aimerais que ce ne soit pas nécessaire, mais Frédéric a raison. Le monde a changé, nous ne serons pas toujours là pour la protéger. Elle doit apprendre à se défendre d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que ce sera suffisant? Qu'est-ce que le futur lui réserve dans un monde qui est tombé en ruine? Et que vont devenir toutes ces filles qui ne peuvent plus compter sur personne? Elle en a écrit des trucs quand même, Shannon, hein. Je me suis aventuré à l'extérieur dans mon costume de maîtresse du mystère. J'ai toujours l'impression d'être ridicule. Le costume s'est avéré un excellent déguisement. Je sais que ça a l'air bizarre, mais il fait une vraie différence. Je suis tombé sur un groupe de crapules en train de harceler des réfugiés dans la caravane s'est enlisé dans la boue sur la route de Lewisburg. Je ne sais pas comment je réagirais dans cette situation, mais après toutes ces années, je sais comment la maîtresse du mystère réagirait. Et c'est toute la confiance en moi dont j'ai besoin. Je les ai sauvés. Frédéric et Olivia sont emballés. Ils travaillent jour et nuit sur des nouveaux outils pour moi. Et Olivia se concentre sur son entraînement. Elle veut devenir une maîtresse du mystère, tout comme moi. Et du coup, je vais perdre ma décharge, moi. Oh. En fait, je vais pas avoir l'XP, mais si mes tourelles suffisent à éliminer les robots, je vais quand même garder la décharge, je pense. On verra. Donc, elle fait un peu comme Kent avec Silver Shroud, hein, finalement. Mais 2 siècles avant. Ce matin, Frédéric a entendu quelqu'un fouiller dans les poubelles dans le garage. 3 quelqu'un même. Clarissa, Eve et Amy. Des petites filles encore plus jeunes qu'Olivia, toutes les 3 orphelines. Ça m'a brisé le cœur, j'en ai parlé avec Frédéric et nous avons décidé de leur dire de rester. L'hiver approche, elles ont besoin d'un endroit où s'abriter, dans suffisamment de place et de nourriture. Il est hors de question que je laisse souffrir un enfant tant qu'il existe une autre solution. Et la dernière entrée, le printemps est enfin arrivé, si tant est qu'on puisse encore l'appeler comme ça. Tous les jours, des caravanes de réfugiés passent devant la maison, des familles entières qui transportent tout ce qui leur reste. Des vieillards, des enfants, c'est affreux. Tant d'enfants qui n'ont plus personne, quelques-uns d'entre eux ont été assez courageux pour venir jusqu'à la maison. Je ne peux pas les renvoyer, je n'aurais jamais cru tenir un orphelinat un jour, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Nous avons demandé à Olivia de déménager ses affaires dans la maison réservée aux invités pour que les nouvelles filles puissent occuper les chambres à cet étage. Je vais nettoyer le bureau et m'installer dans ma suite en bas, sur île, nous aurons besoin de toute la place possible. Et voilà. Dernière entrée le 29 avril 79. Bon, c'est ouf quand même. Si on m'avait dit que le lore de l'univers Rubrique Comics continuerait dans ce manoir, je m'y attendais vraiment pas. Mais du coup, c'est cool. Par contre, là, je suis coincé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis derrière la porte, en fait. Très bien. Et du coup, fouiller le salon des invités en portant un voile. Terminal de la chambre d'amis. Mademoiselle Rivers. Je vais penser à ma grand-mère, elle a l'air sérieuse et sévère, mais quand vous êtes seule avec elle, elle est vraiment gentille. Cora et moi, nous en avons bavé après la mort de grand-mère. Ça soulage que Mademoiselle Rivers ait bien voulu nous accueillir, ça me fait plaisir d'avoir à nouveau une famille.
Tout le monde est censé participer aux corvées de la maison. La fiche d'assignation est sur le frigo dès 6h tous les matins. Personne n'est trop jeune, trop vieux, trop occupé. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, demandez aux filles plus âgées, elles vous montreront. Tout le monde doit faire sa part. Ne laissez pas Monsieur Rivers s'inscrire pour faire la cuisine. La dernière fois, ça nous a pris 3 jours pour aérer la salle commune. Et à plus, Noh. Un voile, ouais, non mais oui. Et ben bisous à toi, Noh, et à la prochaine, ça marche. Quelqu'un veut changer de lit, Sarah ronfle. Même un canapé fera l'affaire, n'importe quoi serait mieux. L'hiver arrive, ce qui signifie des rhumes aussi. Cette maison abrite beaucoup de personnes. Nous devons faire tout notre possible pour éviter que les maladies se propagent. Personne ne veut une autre épidémie. Nous allons utiliser la chambre du coin comme infirmerie cette année encore. Si vous ne vous sentez pas bien, allez voir Alena au moins. Nous déplacerons vos affaires, vous apporterons vos repas. Lavez vos mains, buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. Si les symptômes ont pire, appelez-moi. Olivia. Quelqu'un a vu Olivia, était censé être mon bilan cet après-midi, elle est introuvable. C'est la troisième fois ce massif qu'elle me laisse tomber, ça commence à me saouler. Et oui, mais bon. Oh, mon épingle. C'est bon. Hop. Ok. Au bouilli, on prend... C'est quoi sous le lit? Psychotats. On va en prendre également. Il y a autre chose, non? La buff out. Ça, c'est cool. Ok. Ok, ok. Caoutchouc. Ouais. Des épingles. Je les ai pas pris. Grand biberon, il y a du caoutchouc aussi sur la tétine, j'imagine. Ok. Ok, ok, ok. On venait de là-bas, nous. Oui. Bon, on va finir de fouiller l'étage dans ce sens, et puis on ira ensuite au grand salon des invités. Pour faire la quête, en fait, tout simplement. Ça y est, je suis en surcharge. On se fait toujours en surcharge, alors au bout d'un moment... J'ai pas fouillé le garage non plus pour l'instant. Quand ils disent fouiller là, ils veulent dire quoi? Découvrir le secret. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faudrait que je fouille le garage quand même. Et l'entrée principale aussi. On va voir dans l'entrée principale déjà, vu qu'on est juste à côté. Mais du coup, en termes de l'heure, c'est cool. J'aime beaucoup quand ça raccroche les wagons. Ok, mais en fait, non, c'est pas une pièce. Ça m'a fait sortir du manoir carrément. Ah, bloc de texture sur le calciné. Oh, c'est arrivé hier déjà. Hop, le hamron. Ok. Bon, on va retourner dans le manoir du coup. Belle arnaque cette pièce. Ici on a mis un gros les wagons. T'es con, Rice. Désolé. C'est dur. Là il est mini. Je pense qu'on va faire une petite pause après. Enfin, grosse pause du coup. Pour manger peut-être un petit truc avec ma chérie, pour moi qui me requinque et tout. Puis après on rejouera encore un petit peu, je pense. Porche arrière, ok. Et du coup, la vraie question, c'est comment on descend? Il y avait l'air d'avoir un mécanisme dans la pièce où on était là. Prenez la décharge de Charleston. Ah bon.
alors que là ça fait un... Oh! Ok. C'était un passage secret en fait depuis tout à l'heure. D'accord, d'accord. C'est Batman en fait, la meuf. Initié du mystère. Mais c'est ouf ce qui se passe là. Rejoindre la congrégation du mystère. Bah oui, plutôt deux fois qu'une là. Bienvenue dans le système Kryptos. Instruction aux initiés. Écoutez l'accueil de la grande maîtresse. Lorsque vous avez terminé, connectez-vous avec votre compte. Si vous n'avez pas encore de tutrice, il vous en sera affecté une. Utilisez l'option de recherche dans la base de données pour trouver une tutrice disponible. Si vous n'avez pas de voile des secrets, contactez l'atelier de production. Utilisez le fabricateur pour réparer votre voile usée. Écoutez le lobande d'initiés. Où est le truc pour réparer? Voilà, c'est ici. Instruction. Le système de fabrication de la congrégation mystère. Je pense que c'est notre meilleure invention. Cela nous permet de passer plus en plus de temps à fabriquer les objets dont nous aurons plus souvent besoin. Armes, voiles, tenues. Tâche plaisante, mais elle nous empêchait de nous atteler à de nouvelles choses. On construit ce petit truc, vous n'avez qu'à choisir l'objet que vous voulez. Insérez-y les composants pour pouvoir créer votre équipement standard en quelques minutes. Tout est relié à Kryptos, donc il sera ce que vous avez le droit de fabriquer. Le système fera automatiquement un rapport en cas de mission accomplie. Disposant de peu de ressources, vous pourrez donc en fabriquer chaque objet qu'une seule fois. Dites-moi si vous voulez qu'on efface cette limitation, ou si vous avez besoin d'un objet de plus à votre mesure, je serais ravi de vous aider. Bienvenue, initié. Vous disposez d'autorisation nécessaire pour fabriquer les objets suivants. Initié, voile des secrets. Accès à la base de données de fabrication. Ok. C'est ouf cet endroit. Frederick Rivers, journal de production. Entrée 194. La semaine a été rude. Avec Janet, on a enfin réussi à brancher le fabricateur. On aurait dû faire ça il y a des années. Brianna était notre premier cobaye, enfin je veux dire utilisatrice. Il n'y a pas eu de problème avec ça là, mais la valve de son dispositif fantôme filait légèrement. On a dû évacuer le labo pour ventiler le gaz. Un truc plutôt moche. C'est vraiment Janet qu'il faut remercier. C'est un système bien huilé. Le brancher au réseau de Kryptos va nous épargner beaucoup de paperasse. Et après, la routine habituelle. Shannon a besoin d'un dispositif d'enregistrement pour sa prochaine mission. Le pistolet prototype d'Isabella avait besoin de quelques retouches. Oh, et Eve m'a demandé de me pencher sur de nouveaux programmes de la salle des épreuves pour pas que les filles se ramollissent. Enfin, moi, c'est clair qu'ils ne me font pas de cadeaux. C'est ouf ici ce qui se passe. On écoute cette holobande et je pense qu'on fera la pause ici. Rivers, hein. Journal de production, entrée 209. Parfois, je n'arrive pas à croire toute cette organisation. Prenez Kryptos. Il me fallait un système pour gérer la salle d'entraînement de Shannon. Mon pote Zach de Robco voulait se débarrasser d'un vieux projet que le DIA avait mis au placard. Il aurait pu m'en demander n'importe quoi. C'était un truc impressionnant. Et une machine comme on n'en fait plus. Les filles ont fait un super boulot dans leur collecte de renseignements ces dernières années. Avec Rachel et Janet, on a passé les deux dernières semaines à réétudier toutes les données. Et on a des pistes, plus savoir quoi en faire. Oh, Rachel pensait confier l'attribution des missions à un système de requêtes automatisé. J'ai regardé son code, et c'était plutôt bien fichu. Notre vieux système est entre de bonnes mains. Bah écoutez,
La congrégation du mystère, si tu mon avis, tout ça va finir par sentir mauvais. Bah, c'est drôle ça, bravo. Bon, on a rien de nouveau pour notre bat? Non. Ah, par contre, faudrait que je la répare. L'arbalète aussi, je vais la réparer, donc à faire. Et je vais réparer mes armures, je pense, tant qu'on est là. Ouais. Tu recycles pas un hook? Non, c'était une faucille. C'est vrai que j'ai eu ça tout à l'heure aussi. Je fais ça, comme ça, ça consomme mes ressources, mine de rien. Et ça mange pas de pain. Voilà. Niveau poids, j'en suis où du coup là? Ouais. On a gagné quelques kilos. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Mais waouh, on écoutera l'holoband au retour tout à l'heure, l'holoband d'initié, et puis on verra un petit peu ce qu'il faut faire, ce qui tout ça, mais vraiment sympa. On s'attend pas du tout à ça dans cette quête, et puis pouf. Donc j'aime beaucoup. On va se mettre là, à l'entrée, tiens, hop. Avec le logo qui est très beau d'ailleurs. Donc on va se faire des bisous sur YouTube. Enfin, des bisous. YouTube, à la prochaine. Bisous, etc. Bon, on se fait pas des bisous spécialement sur YouTube. Je veux dire, c'est pas un lieu ni un outil approprié au... À la prochaine, YouTube. Ciao. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous ne manquerez pas la suite de cette aventure sur Fallout 76. Ciao.